Et voilà, ça c'est la voiture du peintre qui est parti manger son casse-croûte. Les travaux ont commencé. Donc là, on en est au premier jour, à la phase de préparation. Il faut gratter les murs avant de repeindre. Et il y a du boulot. Mais bon, ben voilà, c'est parti. Et en fin de compte, les murs, ils sont tellement pourris qu'il va pas falloir 10 jours de travail, mais plutôt 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Donc on va être patient. Alors, au bout de 3-4 jours là, de travaux, on va voir à quoi ça ressemble là-dedans. Alors, ils ont commencé à bien gratter. Ah, ils se sont mis à 4 en fait. Hein. Non, tu vas rien voir là. Alors nous, pour le moment, on est censé laisser les draperies là au plafond, mais ils vont éventuellement refaire tout le plafond. Parce que les draps là, c'était un peu pour cacher la misère, parce qu'il y a pas mal de boulot là-haut à faire en fait, et on voulait pas se lancer là-dedans nous. Ça donne déjà une idée, je trouve, de voir tout en blanc là. Bon, ben voilà quoi en fait. Hein. Ça avance doucement, mais sûrement. Voilà, donc éventuellement la propriétaire, elle va prendre en charge les réparations du plafond là. Et à ce moment-là, on n'aura plus les voiles. Ce serait terrible. Alors, au bout d'une semaine et demie, on en est où? Attends, faut bien... Voilà, il a commencé à faire le plâtre hein, pour réparer les murs. Ça a l'air beaucoup plus grand. Quand c'est tout blanc, là, comme ça a l'air beaucoup plus spacieux, je trouve. Enfin voilà quoi. Donc là il y a l'entrée, notre petite cour où il y aura nos 3 tables pour boire un café. Une première sorte de pièce là dehors. Et puis ensuite là la grande pièce principale où on fera probablement le studio, la petite pièce au fond et le L qui fait tout le tour. Ah non, ça fait un grand espace en fait, hein. C'est immense, c'est super. Voilà, le L il est là-bas, il démarre là-bas, ça fait un tour là-bas, un tour là-bas, et ça revient jusque là. Alors, après 2 semaines de travaux, et avant de peindre, on va faire un petit tour de la galerie, voir où c'en est. Donc en fait, il a fait tout le travail de préparation. Tous les murs sont bien décapés, plâtrés. Ça change déjà de look. C'est tout clean, tout nickel. Ça a l'air plus grand qu'avant. Là, il y avait des gros trous dans le mur. Là, il y avait une tige en fer qui sortait de ce truc. Ah, c'est joli. Il a fait aussi les... Ouais, c'est lumineux, c'est joli. Bon, le plafond là, faudra. Ça, c'est que le plâtre. Hein. Faudra laver les tissus là au plafond pour cacher la misère pour le moment, mais ça va être beau.
Ouais, il y a juste les fenêtres qui sont embêtantes parce qu'elles sont tellement grandes quand on les ouvre que ça prend vachement de place sur les murs. C'est vrai? C'est beau, non? Regarde, c'est tout beau. Tiens, il arrive. Voilà l'homme. Voilà, la grande pièce. La petite pièce là-bas au fond. Et le L. J'ai plusieurs questions à te poser par rapport, tu disais, là tu vas mettre une moquette. Donc, On sait pas ce qu'on va faire. Ah ouais? On sait pas ce qu'on va faire. En fait, c'est... Voilà, alors ça va être le sol. On va faire un gris comme ça, un peu clair. Alors ensuite, on a... Et pour les murs, on va prendre cette couleur un peu plus claire en fait. Donc là, on est parti, on va acheter la peinture pour faire le sol. Donc voilà où en sont les travaux. Voilà où on en est. Donc les murs sont peints, c'est très joli, et là on en est au sol. Donc moi j'ai fait les bordures. Et lui, Patrick, il fait le gros. Il a déjà fait cette pièce. Là, il en est au grand couloir. Et donc, il a déjà fait la petite pièce, en fait, qui est ici. Et au fond, là-bas, ce qu'on va faire, on va mettre de la moquette, en fait. Parce que c'est trop compliqué à nettoyer, là. Voilà, papa il travaille en faisant en bouchant les petits trous, ça a l'air difficile. Et Canel elle nous embête. Hein Canel? Est-ce que tu nous embêtes Canel? Oui? Comment tu fais pour nous embêter? Qu'est-ce que tu fais? Tu cries? Donc il reste donc tout le couloir hein, qui va jusqu'à là-bas et l'entrée. Donc l'entrée en fait c'est pas cette pièce, ça c'est la plus grande pièce, on va mettre un tapis comme on a dit tout à l'heure. Et donc l'entrée c'est ça. Et cette entrée là, il faudra aussi la faire en gris. Mais on n'aura pas assez de peinture, on est dégoûté. Alors, la première phase des travaux elle est terminée. On a coupé l'arbre de la cour. Du coup là on a dégagé la vue, on voit la cathédrale et beaucoup plus lumineux et on n'a plus besoin de nettoyer les feuilles. Voilà donc la première partie c'est que la peinture murale elle est faite. C'est une bonne chose de faite. Voilà, attends, la prochaine étape ça consiste à changer les lumières parce que là on est équipé en tube néon, c'est pas top. Et donc on va essayer de faire quelque chose de bien pour mettre les photos en valeur. Voilà, il y a tous les néons à remplacer, quoi, à transformer. Hein. Après on va mettre des cimaises pour accrocher les photos. Et après il n'y aura plus qu'à mettre la moquette. Et là, quand tout ça sera fait, on pourra enfin ouvrir. Donc on pense encore 3 semaines à moi, quoi. Ce truc, on va le mettre à l'entrée là. Donc voilà où on en est. Moi je dirais qu'on en a fait une moitié quoi.